Cadre 4X, c'est ici. Babies 9994X, c'est ici. Babies 9994X, c'est ici. Ah, je fais des exercices pour dégourdir ma voix. C'est pour perfectionner mon talent d'imitateur de personnage. Oui, oui. Je me demande bien qui je pourrais imiter aujourd'hui. Ben, peut-être que je pourrais imiter les terriens à la télévision. Ou bien aller sur la Terre puis trouver des nouveaux personnages. Allô, Bibi. Allô, Geneviève. Voyons, qu'est-ce qui fait, Monsieur Vite-Vite, qui appelle pas? Voyons, qu'est-ce qui fait, Monsieur Vite-Vite, qui appelle pas? Il devrait déjà m'avoir téléphoné. Je peux pas continuer mon travail tant qu'il m'a pas téléphoné. Bibi, arrête de faire le perroquet. Bibi le perroquet, Bibi le perroquet. Ah, Geneviève, c'est quoi un perroquet? Ah, Geneviève, c'est quoi un perroquet? Tu m'as attrapé. Geneviève, comment je vais faire pour pratiquer mes imitations si c'est toi qui m'imites? Allô? 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 Oh non! Chut! On répond pas, ok, Bibi? Ok. Hein? Geneviève a reçu du courrier à cette heure-ci? Je me demande bien qui ça peut être. Mais c'est pas l'heure du facteur. C'est qui, Geneviève? Ah, Geneviève, d'accord, là, j'arrêterai d'être imitée. Promis? Promis. Chère Geneviève, je passais près de chez vous. J'ai pensé frapper à votre porte plutôt que de vous téléphoner. Comme convenu, je m'en vais au bureau et je vous téléphonerai de là-bas. Monsieur Villeneuve. Hein? Monsieur Vite-Vite est venu ici? Ben oui. Oh, citron! Bibi? Oui, Geneviève? Tu me réveilleras si le téléphone sonne, ok? Mais j'attends le téléphone de Monsieur Vite-Vite. Ok, oui, oui, Geneviève. Je vais trouver mon personnage à imiter. C'est Monsieur Vite-Vite. J'ai dessiné son portrait. Ben, j'ai imaginé son portrait parce que je ne l'ai jamais vu, moi, Monsieur Vite-Vite. Comment il réagirait, monsieur Vite-Vite, s'il me voyait?
je commence mon jeu. Regardez bien. Qui est là? C'est Monsieur Vite-Vite. Ah ben entrez, Monsieur Vite-Vite. Geneviève? Geneviève? Ah, mais c'est que Geneviève dort, Monsieur Vite-Vite. Hein? Mais qui me parle, là? Qui me parle? Excusez-moi, mais je vois personne. Personne. C'est moi, Babies 999-44X de la planète XYZ. Je suis ici. Ah ben. Ah ben. Ah ben, coudonc. Mais oui. Je suis un extraterrien. Ah ben, ah ben, ah ben. Ah ben, coudonc. J'allais le dire. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. C'est toute une surprise, hein, Monsieur Vite-Vite? Ah ben, pour une surprise. C'est toute une surprise. Mais, je vous ai déjà vu, vous. Mais oui. Vous m'avez vu sur tous les dessins de Geneviève. Ça serait donc vous, l'ami qui l'inspire dans ses histoires? Mais oui, c'est moi. Je suis l'ami de Geneviève. Eh bien, mon ami, vous avez vraiment beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Un talent inouï. Vraiment inouï. Oh, ben merci, Monsieur Vite-Vite. Bon, écoutez-moi. Je dois retourner au bureau. Au bureau, oui. Alors, vous direz à Geneviève que je lui téléphonerai plus tard. À bientôt, eh bien, ils quelque chose, là. Hmm? Hmm? Bon, au revoir. Monsieur Villeneuve, ici? Oui, oui, au revoir, Monsieur Vite-Vite. Avec Bibi? Monsieur Villeneuve avec Bibi? Et ça se peut pas, je rêve! Monsieur Villeneuve vient de fermer la porte. C'est pas un rêve. Oh, citron! Tais-toi, Bibi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais, Villeneuve, c'est que... Pauvre Monsieur Villeneuve. Pauvre Monsieur Villeneuve. Il y a pas de pauvre Monsieur Villeneuve. C'est... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre ma job, Bibi. Mais non, je vais dire que tu perds... Oh, Bibi, tais-toi, s'il te plaît. C'est pas le moment, là, hein? Bon, il faut que je me calme, là. Ça sert à rien. Oh, citron! Geneviève, assieds-toi. Bibi. Quoi? Veux-tu, là, tu vas m'expliquer à quoi t'as pensé? Pourquoi t'as ouvert la porte à Monsieur Villeneuve? Mais Geneviève... Non. Il n'y a pas de mes Geneviève, OK? Il y a que j'ai très bien entendu la voix de Monsieur Villeneuve. Hey. J'ai pas rêvé, quand même. J'avais beau dormir, quand je me suis réveillée, j'ai très clairement entendu la voix de Monsieur Villeneuve. T'as pas rêvé, Geneviève, tu as raison. Mais attends que je t'explique. Attendre quoi, Bibi? Attendre qu'on en parle à la radio? Que je le lise dans les journaux ou que je le vois à la télévision? Qu'il y a un extraterrestre qui vit chez Geneviève?
citron. Bon, est-ce que tu es plus calme, là? Est-ce que tu me laisses le temps de t'expliquer? Je veux pas entendre d'explications inutiles, Bibi. OK? Je pense que tu comprends pas, Geneviève. C'était un jeu. Oh, Bibi. Il y a une chose que j'aimerais tellement que tu comprennes. Quoi? Bibi, je te l'ai déjà expliqué. Il y a des choses avec lesquelles il faut pas jouer. Comprends-tu ça? Geneviève, pourquoi tu me laisses pas te raconter? Pauvre Monsieur Villeneuve. Il a dû avoir tout un choc. Un choc, là, Bibi. Oui? Aussi fort que si toi t'entendais 1000 téléphones sonner en même temps. Quoi? Allô? 1000 téléphones en même temps? Bonjour, Monsieur Villeneuve. Monsieur Villeneuve? Oui? Oui, oui, j'ai bien reçu votre petit mot que vous avez laissé chez moi. Eh oui, c'est vrai qu'il y avait un petit mot, mais... Monsieur Villeneuve, j'espère que vous êtes remis de votre choc. Monsieur Villeneuve, oh, je voudrais m'excuser, Monsieur Villeneuve. Oui, c'est que... Oh, je pense que... Quel choc? J'ai fait une gaffe. Mais voyons, Monsieur Villeneuve, le choc que vous avez eu, la deuxième fois que vous êtes venu chez moi? Il n'y a pas eu de deuxième fois. Monsieur Villeneuve, c'était moi qui... Pardon? Vous êtes venu juste une fois? Oui. Oui. Vous voudriez savoir pourquoi vous auriez eu un choc? Parce qu'il aurait vu Bibi. C'est parce que je... Je garde le chien d'une de mes amies, c'est ça, oui. C'est ça, c'est un très, très, très gros chien. Il jappe beaucoup quand il y a des gens qui frappent à la porte. Oui. Il n'y a pas de chien ici, Geneviève. Oui? Pardon, oui? Ah, vous appelez à propos des esquisses. Oui, Monsieur Villeneuve, je vous écoute. Hein? Oui? Quoi? Ah, le client aime mieux le deuxième concept. Bon... Oui, le deuxième concept, il n'y a pas de problème, Monsieur Villeneuve. Je vais me mettre là-dessus tout de suite. D'accord. Je me mets au travail. Au revoir, Monsieur Villeneuve. Bibi. Oui? Z99944X. C'est mon nom. Dis-moi, pourquoi tu m'as dit que Monsieur Villeneuve était venu ici tantôt? Geneviève, j'ai jamais dit ça. Je jouais seulement, Monsieur Vite-Vite, pendant que tu dormais. Mais Bibi, pourquoi tu me l'as pas dit? Il me semble que c'est simple d'expliquer ces choses-là, voyons. J'ai essayé, Geneviève, mais tu étais trop dans la panique. Tu m'écoutais pas. Bon, d'accord, d'accord. Je m'excuse, Bibi, mais mets-toi à ma place. Je me réveille, puis j'entends la voix de Monsieur Villeneuve. Mais il y a de quoi paniquer, non? Mais Geneviève, est-ce que ça veut dire que je suis un excellent imitateur de Monsieur Vite-Vite, ça? Oh, citron, ça, on peut le dire!